Dantza handia dugu hemen gure eskualdean, banka aldude eta aurrepele. Badugu ura frango eta hori esker delako energi berde hori badira posibilitatea galimaliak. Zentral hori montatia izan da dila 100 urte haintxu eta 5.000 jendenako elektrizatia egiten aldu. Olako tresnak badira frango hemen, tipi hauak ere, baina behar dugu energia garbi hori baliatu. Si vous êtes sur la fonderie des mines de Banka, c'est un site qui a été créé et équipé en hydroélectricité en 1970 par mon grand-père et mis en application par mon père. Ce site-là reprend en fait les droits d'eau de la fonderie des mines de Banka qui exploitait déjà l'eau pour la métallurgie avant la Révolution française au XVIIIe siècle. On produit de l'énergie ici pour l'équivalent à peu près de la consommation de 1000 personnes à l'année. C'est une énergie qui utilise la force de l'eau. L'eau est prise au niveau du barrage. Elle est amenée par un canal d'amenée d'eau en amont. Et elle passe dans une turbine, c'est une hélice on va dire. Et elle est restituée à la sortie dans le canal de fuite où l'eau s'échappe et est restituée en aval du barrage dans la rivière qui est la Nive des Aldudes. Vous amener sur la centrale hydroélectrique de Minaberi, sur la route d'Aïra, dans la commune de Banka. C'est une centrale qui existe depuis 1970, qui produit de l'énergie pour 1000 habitants, c'est-à-dire pour les communes de Zaldud, Urepel et Banka. Et elle est à l'arrêt depuis 20 mois, et nous sommes au mois d'octobre 2020, et l'arrêté de renouvellement d'autorisation que nous attendons de la préfecture est toujours à l'arrêt, ce qui est très difficile à comprendre. Nous subissons partout ces problèmes administratifs, que ce soit pour les grandes ou les petites centrales hydroélectriques. Donc, à l'heure actuelle où on a le dérèglement climatique et le plan climat qui est en marche à la communauté d'agglomération, même les petites centrales hydroélectriques doivent être mises en valeur. Amengira bankako agenteian. Hau montatia izan da dira 50 urte, eiera zarbatien lekian, eta hortako atxikizen dugu beti, eta uralen hartzia dretsua. Eta aspalditik nahi nien ur indar hori baliatu, hemen agenteian. Kusten nien ura frango bazela, eta azterketa batzuk indatut dianik dira 5 urte, baina ageri zen, txaiten montatzeko ez dira aski indarrik. Utzi nien, baina berriki jakin dut Frantzian, Bretainian, bazela enpresa bat turbina tipietan espezializatua. Kontaktuat jarri niz, eta unha dinira, eta uartu dira, baginin hemen goratasuna 6 metra, uri maria zen iruen pinta segundan, ordeon horrekin, Amar edo amabi kilowatt artean ziaiten muntatzen azela. Deliberatu dugu hori muntatzea hemen. Behar zen lehenik tresna hori muntatu. Behar zen ere azterketa bat muntatu. Aguntza ukan dut, bulego espezialitu batetkin. 6 edo 7 labete zarri dugu hori muntatzeko. Jakin behar da hemen delako Natura 2000 proiektuetan girela. Hor ez da zer nahi montatzen al, eta azterketa jabe. Burdinezko di horiek, zari ditugu, ondar bizinean, eta azpian berian, handa zaria turbina, eta hartzen du uraren indarra, eta kurantia hori jortzen du barniat. Urteko eta konsumuzioa nia hori egiten aldut. Baina atxikiko dut ere ene kontratu ÖDF-aekin, zenta masina guziak zartzen dutalaik marxan, ez dut aski indarrik ateatzen tresna horretan. Baina izan da guretako aixe merkia
merkia izanen dela, gure energia aurten, zenta haintxu dena inen dut hemen berian. Tresna guziak dena kondatuz, ezain dira berroi amar mila euro, eta nik ondatzen dut hiru urte hori dena amortizatzeko. Bankako ibarrentzat aldudekoa, bizan da, interesgarria dela olako proiektua. Mundua kamiatzen ari da, eta behar dugu bide hortan segitu, zenta ez dugu hori beti segitzen al oaiko tresnekin, behar dugu energi berde hori gehiago baliatu, eta hemen ibarra honetan xantza badugu. Gure ingurumenaekin eta gure errekaekin ura badugu beti urte guzian, eta segula gilditzen hori behar dugu baliatu.